couronnement de Charles III, on connaît tout le Harry et Meghan fixé sur leur sort. On sait enfin comment se déroulera le couronnement du roi Charles III. Jusqu'à présent, seule la date du 6 mai avait été dévoilée, journée au cours de laquelle Camilla sera elle aussi couronnée reine consort après la bénédiction de la reine Elisabeth II. L'événement exceptionnel a livré presque tous ses secrets ce samedi 21 janvier, comme l'a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué officiel. Les festivités ne dureront non pas un jour mais trois, du samedi 6 au lundi 8 mai. Le Royaume-Uni sera en fête. Reste à savoir si l'ambiance sera tout aussi bonne au sein du clan Windsor. La question brûlait les lèvres de tout le monde, le prince Harry et Meghan Markle seront-ils invités à l'événement? En dépit des circonstances et des nombreux affronts du duc de Sussex envers la firme. Le couple devrait bel et bien être convié. En revanche, si sa présence était confirmée, il n'aura pas sa place au balcon de Buckingham, où les membres actifs de la royauté seront réunis après la cérémonie donnée à l'abbaye de Westminster, indiquent les médias britanniques dont le Daily Mail. Le couronnement ne se résumera pas au service religieux dirigé par l'archevêque de Canterbury, à l'abbaye de Westminster et au salut de la famille au peuple depuis le palais. Le lendemain aura lieu un concert au château de Windsor, à l'ouest de Londres, avec des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines. Il sera retransmis sur la BBC. Buckingham n'a cependant pas mentionné les noms des artistes qui se produiront sur scène. Dans le public se trouveront notamment des bénévoles d'organisations caritatives soutenues par Charles et Camilla. Une chorale du couronnement présentera également un concert, avec des chanteurs de chorale de réfugiés, du service de santé publique, des groupes de chants LGBTQ+ et de sourds. Dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés. La population sera aussi invitée le 7 mai à participer au grand déjeuner du couronnement. Des fêtes de voisinage pour célébrer l'amitié. Des milliers d'événements devraient avoir lieu dans les rues, les jardins, les parcs, selon Buckingham. Ces célébrations populaires rappellent celles qui ont eu lieu en juin 2022 pour le jubilé de platine d'Elisabeth, pour ses 70 ans de règne. Dans tout le Royaume-Uni, des dizaines de milliers de déjeuners et pique-niques entre voisins avaient été organisés pour célébrer cette monarque extrêmement populaire. Le lundi 8 mai, qui sera un jour férié, les gens seront encouragés à faire du bénévolat. Cette démarche vise à rapprocher les gens et à créer un mouvement de bénévolat qui durera après le week-end du couronnement, a indiqué le palais.